Bonjour les gens, bonjour. Épisode 2 de la Fédération des Planètes Unies. J'ai dû recommencer parce qu'apparemment la sauvegarde ne s'est pas faite. Donc j'ai refait une petite demi-heure de jeu pour essayer d'être à peu près au même stade. Donc là, au niveau des traditions, c'est la même chose. Là, les fameux pirates dont je vous parlais dans l'épisode 1 sont arrivés. J'ai construit une petite flotte. On va les détruire pour pas qu'ils détruisent nos stations de minage. Je vais devoir reconstruire celle-là parce que ma flotte, pourtant, elle est à côté, mais. Ouais, on va se rendre sur ce système, c'est clairement capable d'émettre et tout ça. Standard, littérature. Ok, je laisse. Si vous voulez tout lire, vous pouvez faire pause. Bon, où est ma flotte? Qu'elle se dépêche un peu là. Alors, elle est où? Enfin, elle arrive. En ce temps-là, le vaisseau de construction, je vais le lancer là. Ah, pas encore parce que c'est pas encore dans mon système. Bon, après, il faudrait essayer de détruire ça pour libérer notre petit empire. Il me reste combien? 555 et là ça va être juste mais ça devrait être bon. Hop, on y va. Laboratoire de physique. Booster un peu la recherche. Les débris en marque pour se souvenir où c'est. Pouvoir envoyer notre vaisseau scientifique analyser tout ça. Encore des aliens. Allez, dépêche-toi. Ça devrait être juste. Pas sûr qu'il me reste des navettes. C'est toujours pas un système. Ah bah si, c'est passé. Pas une, oui, cette fameuse planète où il y a pas que du gaz mais du solide en dessous. Les astronomes sont contents. Donc ça, je renvoie se soigner. Pause. Donc là, j'ai bien mis découverte, j'ai repris les deux comme le premier épisode 1. Là, je vais lancer expansion. Ok. Donc, le vaisseau scientifique, il est là. Chut. On va le lancer là. Ici. Et le projet aussi. Pareil, même si ça sert à rien, c'est pas grave. Que j'indique. Donc le vaisseau de construction, bon, c'est toujours pas dans le... pas dans le système, quand même bug, parce que pour moi, si, c'est pas grave, ça va pas tarder. Maintenant, vaisseau de construction, hop, retourne au port. Ça oui, on se contente d'observer. On lance l'enquête qui dure 13 mois. Sur Terre. Je suis là. Donc là, hop, physique, il est débris. Celui-là, par contre, ça sert à rien. Parce que ingénierie, c'est pas encore découvert. Donc là, j'ai deux vaisseaux en trop qui doivent nous coûter un peu trop en entretien. Mais là, c'est 1900, c'est un peu trop.
Je vais en détruire deux. Pour être dans la limite. Comme ça me coûte rien. Enfin, en plus. J'ai ma première faction. Juste l'esclavage proscrit. Pourtant, c'est bien proscrit dans les. Dans les. La politique. C'est des politiques. Donc les politiques. Peut-être que ce sera corrigé avec le patch 1.6 que Paradox prépare. Nos stations de recherche qui sont dans notre système de base. Pas tarder peut-être à essayer de coloniser Mars. Non. Pas encore, tiens. J'ai pas eu. Ah non, faut la terraformer Mars. Donc peut-être première sur Paeg. Pas tarder. C'est pas tout à fait plein plein. Mais on va pas tarder à coloniser Paeg. Sans doute Alpha Centauri ensuite. Bon, le vaisseau scientifique. On va le lancer ici ensuite. Reconnaître les systèmes. Voilà ça. Les systèmes qui sont autour de notre petit empire. Voilà, on fait déjà ça. Donc la petite expression salut les gens, je l'ai emprunté à un youtubeur qui s'appelle Axe Wars. J'espère que c'est pas une marque déposée. Ah oui, il faut peut-être que j'enlève la peau, ça serait peut-être mieux. On peut toujours attendre. Voilà le complexe ingénierie. Là, alors. Les faisceaux de stabilisation permettent une extraction relativement sûre des minerais volatiles. Cristaux disposent de propriétés en rares permettant d'accroître la puissance énergétique. D'abord faire le blindage. Alors, on va être pas assez élevé pour bien analyser la planète. Donc s'il y a des gens qui suivent cette let's play, j'essaierai de faire une vidéo tous les jours. Ah, vaisseau de construction, est-ce que là je peux lancer les minières? Oui. Pour augmenter surtout ça là. Donc là, hop, ça augmente. Ça, l'unité. Là, l'ingénierie, on peut le faire parce que on l'a trouvé. Ah, ça s'est agrandi un petit peu, donc peut-être ce système. Et enfin, dans notre petit empire. Donc pour les personnes qui suivent sur Let's Play, si vous avez des commentaires, des suggestions, des conseils, etc. à me donner, je suis prêt à les lire et essayer de les appliquer. Merci d'avance.
un peu de musique, parce que sinon c'est super silencieux. Deux continentales ici, 80, c'est pas mal. Sur Sirius, une de 20. Il n'y a pas de boost dessus. Un non plus. C'est un non plus. Hein? C'est qui? C'est les fameux pirates. Hop, hop. Je vous ai vu. Je vous envoie ma flotte. Deux corvettes. Donc là, je prends étendue des frontières. Là, je prends. Des champs de force énergétique qui a un effet grandissant sur les exposés. Voilà, pour l'instant non. Allez, les nuages d'éclairs. Un peu au-dessus, espérons qu'il nous laisse tranquille. Il faut que passe tant mieux. C'est quoi ça? Ah, c'est bizarre, tiens. Y'a quoi là? Bizarre, bizarre. Ça baisse. Ça qui envoie des. C'est la première fois que je vois ça. Si vous savez, si c'est peut-être un bug. Vaisseau de construction. Alors, on peut toujours pas. Alors, on va l'envoyer. Ici, faire les stations de recherche. On n'a pas perdu de vaisseau, tant mieux. Première fois que ça m'arrive de bataille de suite sans rien perdre. Sur la Terre. Au niveau bouffe, ouais. Faut mieux construire. Et notre ferme, pour l'instant en tout cas. Donc là, un laboratoire. On commande déjà un physique. Un ingénierie, il manque plus que celui-là. Et ça, je vais l'utiliser pour autre chose. Hop, petite pause. Pour une centrale. Donc là. Sans prisonnier d'établissement. À chaque nouveau monde revendiqué par nos colons, nous sommes. Patriotique, tant que ça, le bâtiment existe. Ouais, on va prendre ça pour une unité en plus. Et on verra après pour la suite. Alors, vaisseau de construction, c'est là. Ça, on peut toujours pas. C'est pas encore dans notre système. Le blindage. Ça. Les potes aussi difficiles à traiter, on est sur le grandium. Ouais, on va le prendre. Comme ça, on aura une ressource stratégique. Quand on n'en a pas encore. On pourrait envoyer notre vaisseau. On
construction faire peut-être ici pour avoir tout ça là. Scientifique, reconnaître, voir un peu plus ce qu'il y a. Non. Ici. Alors, ah, première pause d'observation. C'est pas encore dans notre système. Voilà. Là, ça suffira. Alors, je mets en pause, moi. Bon, c'est pas... C'est bizarre, ça... Ça paraît bizarre que ça soit toujours pas dans notre système. C'est une savane. Savane. Faites que traverser, tant mieux. Un, toujours 4. Ah, encore des pirates. Tant pis pour vous. Adieu, pirates. Ah, il y a des espaces machin ici. Là. Non, parce qu'il y a des trucs que je peux pas envoyer mon scientifique. D'ailleurs, pas longtemps, il y aura un autre vaisseau scientifique. Allez, on se dépêche de détruire. Toujours pas perdu le vaisseau. Scientifique, une fois qu'il a fait tout ça, il pourra aller au-delà. Ah. Le pirate 1900, on va attendre. Il faut qu'on aille pour les archives, pas de soucis, c'est une photo. Donc j'arrive bientôt à 220 heures sur Stellaris. Ça serait bien que cette partie-là que je diffuse, que j'arrive au moins jusqu'à la victoire. Si possible en fédération. Ça serait cool. Victoire fédérale, ça serait bien. Parce qu'en conquête, je pense pas. Domination. Là, il y a 973 planètes. Requise, ça va être chaud, hein. Ah, ça s'agrandit. Donc, je pense que la capitale, on la prend tout de suite. Vaisseau de construction. Hop, oui, on le lance direct. Pour tout ce qui est minier. Après.
Ah, 657. C'est quoi encore ça? C'est une espèce organique. Donc, faudra les détruire. Ils ont corrigé ça pour les vaisseaux scientifiques, parce qu'avant, dès qu'ils rencontraient une flotte hostile, hop, ils revenaient en arrière et ça annulait tous ces trajets. T'es obligé à chaque fois de resélectionner les planètes. Que là, apparemment, ils passent à la suivante, c'est tant mieux. Donc là, les ressources permettant d'accroître la puissance produite par les armes énergétiques. Ouais, on va plutôt agrandir le spatioport. Comme d'habitude, on est entouré de flottes hostiles. Toujours pas perdu de vaisseau. Ça, toujours pas là. Au niveau minerai, ça va, mais énergétique, ça augmente pas beaucoup. Là. Donc, ce que je trouve chiant, la construction de vaisseau, le concepteur, c'est que là, j'ai pris amélioration automatique. Donc pourquoi? Ah merde, c'est pas là. Tac, là, ça me met. Bing et bing. Ça, il peut pas l'effacer ça? Deux vaisseaux scientifiques. Là, alimentation lui est zéro. Lui, Tesla, il coûte plus cher. Donc, logiquement, ouais, il est meilleur.
parce que je laisse auto-générer activer la génération lorsque les nouvelles technologies sont découvertes. Ouais, ça sauve. On va essayer de tester ça. Hein. De toute façon, on verra bien. Ah oui. Oui, ça facilite tout. Pourquoi j'ai mis en pause moi? Si on n'est pas tout plein, scientifique. Encore une deuxième fois, ça. J'ai eu cette terre. Là, ça traite le traitement. C'est arrivé. Là, toujours. Soucis de machin. Qui se bouge le cul, constructeur, oui. Ouais. Parce que ça doit être un ancien. L'ancienne génération. C'est pareil. Parce que si Tesla c'est bien scientifique. Mais pause. Mais celui-là, là, c'est un. Ça doit être l'ancienne génération, ça. C'est pas grave. Là, donc là, on va prendre. Réduction de 10% sur la durée de développement des populations, accélération de 100% du développement des colonies. Ouais. Ça se développe plus vite. Tapping. On supprime. On va prendre le nouveau Tesla. Là, il n'y a rien pour l'instant, mais ça va pas tarder. Donc lui, il était là. Station d'abord minière. Eh bien, messieurs, dames, je vais vous laisser là. Je vais pas oublier d'enregistrer. Voilà. Comme ça, à l'épisode 3, on se retrouvera au même point.
ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.